Bon matin, la gang! Donc, il est rendu 8h et... Non, 9h15. Et on s'en va! À Montserrat! Yeah! On s'en va faire un hike, fait que voici outfit Malade. de... Je m'en calme, je m'en vais. d'entraînement, là. Et on a mis nos casquettes côte. Oui! On a les cheveux gras, hein? Là. Fait que, on s'en va en bas prendre un petit coffee. Puis, dans le fond, le Montserrat, je vais vous montrer. C'est en haut des buildings, genre là. Il y a une montagne, on voit pas bien, bien là. Je vais zoomer. Ouais, la montagne que vous voyez là, c'est là. Mais pour se rendre là, il faut prendre genre le métro, le train. Ça prend comme quasiment 2 heures, hein, se rendre là. Ouais. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'on est tout de même. Puis, une fois là-bas, ben, on va. On sait pas encore si on va monter comme en autobus, puis redescendre à pied ou faire les deux, parce que c'est comme 2 heures monter et 2 heures descendre. C'est pas si peu, mais. C'est ça. Fait que, en tout cas, on va voir ce qu'on fait. Puis, on a amené un lunch, on va manger en haut, puis je vais vous filmer ça, puis ça va être bien, bien beau. Fait que. Si, y'a. Juste dire qu'on a eu. Trois chocolatines, trois croissants, sont des croissants. Attends, là, sorry. Trois croissants et deux bouteilles d'eau pour 5 $. C'est une vraie joke. On est dans le métro. Est-ce que tu vas être dans mon vlog? Tu disais allô? Ça, c'est Caro, allô? C'est l'ami à Jus, travaille avec Jus, fait qu'on s'en va. On est dans le métro. Aller au train, ça. Pas un train. Pas un train, c'est ça. Ça va, mais? T'étais sous? C'est long. Il y a plus de marche. Tu dis ça? Ben, c'est à pic, hein? C'est à pic. C'est tough, mais ça va en valoir le coup. Il nous reste 25 minutes à monter. Ça fait déjà 1 heure. 1 heure et quoi? Salut, Caro! Caro, faut la forme, elle y va. Ça fait combien de temps qu'on monte? 1 heure. Il reste 26 minutes, puis on va atteindre le sommet. Ouais, descendre, ça va être plus facile. On est arrivé!
Comment tu vas commencer à te battre ou pour le jeu? On est arrivé au sommet. C'est full beau. Check ça. Fait que là, on s'en va en descendant pour une heure et demie à peu près qu'on va redescendre. Mais c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. C'est tough en maudit, la ride, mais ça vaut la peine. Regardez ça. On va espérer qu'en descendant, ça soit mieux et que ça soit plus facile. Hein, la gang? Oui. Êtes-vous prêts à descendre? Oui! Oui! Hello! Donc, on est revenu à l'hôtel et puis il est rendu 7h15, on s'est pris notre douche puis tout. C'était vraiment nice, le Montserrat. Je vous le recommande fortement si vous venez à Barcelone. Puis là, on s'en va au mall parce que Jules, elle veut s'acheter une petite veste parce qu'elle n'a pas amené. Puis à soir, on s'en va au resto. Puis dehors, il va comme faire un peu froid. Puis moi, j'avais vu des jeans hier. Puis en tout cas, finalement, je pense que je les veux. Fait qu'on va aller là. Puis après ça, on est préparé. Puis c'est ça, on va aller au resto vers 9h. Puis c'est ça. Fait qu'on aussi, on veut vous montrer tantôt ce qu'on a acheté comme hier. Puis si on achète de quoi là, on va vous montrer. Fait que. See ya, la gang! On est ready to go out. Puis là, je voulais vous montrer nos outfits. Je vais vous montrer plus ici. Jo va là dans la lumière. Oui. Donc, dis-nous ton outfit. Alors. C'est pas mal beau. Vas-y. Chandail. Oui, mon chandail. Ok, c'est un chandail que j'ai acheté tantôt. Il est vraiment beau, tourne. Dans le dos. Pull and Bear, là. Non, Bershka. Oui, c'est vrai. Le jacket est de Pull & Bear, les jeans sont de Stradivarius, sacoche... C'est chiant parce que genre on dit tout ça, là, outfit full beau, mais ils peuvent même pas se le procurer. Genre. Ouais, mais vous pouvez vous inspirer de ça. Ça vient de où déjà? Stradivarius. T'es allé en face pendant que j'étais... Ouais, puis là faut juste j'enlève ça. Ouais, il y avait comme un gogos. Ouais, il y en a ce petit gogos led, genre. Mais comme... Le jacket, je sais qu'il y en a un aux Zara, puis les jeans aussi, des avec des pelles de même. Là, j'en ai vu, fait que si vous voulez vous inspirer du look, ben... Et Amir, où est-ce que t'as pris ton linge? Ok, ben ça c'est dynamite, puis ça aussi même. J'avais pas remarqué, mais ok. Ça c'est mon petit top que j'attendais de mettre ici, parce que je trouve que ça fait Espagne. Ces jeans-là, je les aime vraiment, ils sont super high-waist, fait comme ils arrivent vraiment haut. Sont noirs, ben simples, ils sont vraiment stretch pour le confort. Ça vient de où? Et ça vient de... Stradivarius. Stradivarius, ouais. J'ai mis une petite ceinture. Puis là, mes souliers, ben, je sais pas encore mis, mais ouais. Ça, c'est des bas qui viennent de où? De chez nous. De chez nous. Mais ouais. Petite outfit. Ok. Ok, va. Ben, ok, deux. Ça, c'est la chambre d'acier. Qu'est-ce que tu manges? Si. Ça, c'est la chambre Le ciel. Mange le ciel. C'est que c'est du porc. Comme qui est comme fumé pendant une couple d'heure. Puis après ça. Puis sur le grill avec une purée de poire. Ma chum, ça goûte l'acide. C'est vrai que c'est vraiment bon, genre. Vraiment. Ça a l'air vraiment dégueulasse en caméra, mais. Ça, c'est la fièvre, hein. Vraiment bonne. Il n'y a plus rien, genre. La fièvre. T'es pas fumé à temps. Ok, guys, on sort du resto et puis j'avais encore. Un verre de vin, j'avais pas fini, puis le gars il m'a dit « Veux-tu un take-out, amener ton vin, genre dans un plastique truc de... » Mais comme, parce qu'ici, à Barcelone... J'aime ça, je sors ma face tout le temps. À Barcelone, t'as le droit de boire dans les rues et partout en public, pas comme à Montréal. Fait que j'ai mon petit vin dans un plastic bag. Un plastic glass. Cheers, la gang. Cheers! Genre, je suis avec mon petit drink. This is Barcelona. Oh, on peut pas virer de bord, ça gosse. Carrère de... Cardès. Cardès?